Bonjour, Hello, aujourd'hui je today vais I'm faire going de to vous goût present la for you a transformation de recipe simples for Oriental escalopes de chicken poulet kebabs. en brochettes à l'orientale. Que vous Now, pouvez faire which you plus can ou moins spice épicé en according to fonction de your own votre goût et en taste, fonction du goût de vos I'm invités, going je to vous give donne the la basic recette de recipe base dans which you laquelle vous can spice pourrez up however you'd augmenter like. certains des ingrédients. For Pour 6 six personnes, je people, compte you'll 6 need six escalopes de chicken poulet. fillets, J'ai mis 3 three oignons que onions j'ai which I've déjà already cut, coupés en petits morceaux. Some Deux lemon citrons, juice, un bon verre a d'huile cup of olive d'olive, oil, 5 five ou to 6 six gousses d'ail cloves of en garlic, fonction depending on your du love of calibre de goût garlic, d'ail, un morceau de some gingembre, ginger, je and ne I'll ferai use que la about moitié de half of ça, this. à peu près. So Du pepper, poivre, du salt, sel, du cumin, cumin, de la coriander, coriandre and et du caprese. allspice. Alors, So I'll je start commence par by achever juicing les the jus de lemon. citron. Alors, vous pouvez And mettre, if si you vous voulez, du like, citron limes vert ou work du as citron well. jaune. Mais Just vous be en sure that mettez you pour que have ça fasse enough vraiment juice, a une good bonne quantity quantité of de jus. juice. Alors, vous pourrez trouver des citrons So à la you même can cause plus find ou moins very juteux. juicy lemons. Là, Here moi, I j'ai have the le jus juice of là-dedans, j'ai three le jus de 3 lemons. citrons. Voilà, la fin So de mes 3 I'll do citrons. another. J'ai And épluché I've l'ail que je already vais peeled the garlic, écraser which devant I will vous, crush with alors avec un a petit appareil magic tool. magique. Now, L'avantage the d'une advantage certaine of a garlic façon press is that it d'écraser l'ail, keeps the c'est que vous juice gardez in. le jus de l'ail. Voilà, je So, commence par la now I'll confection start de la with marinade. the creation of the marinade. L'ail, The garlic, the l'huile olive d'olive. oil, Le lemon jus de juice, citron, the les onions. oignons, alors Now, aussi chop petits them que vous as pouvez small les as you oignons, can parce qu'ils doivent se because that mettre way they dans stick votre better to marinade the et être tout chicken. collés au morceau de viande. Donc il vaut mieux qu'ils So, ne soient they pas trop shouldn't be gros. too big. So, the L'assaisonnement. seasonings. Vous mettez About a l'équivalent d'une tablespoon cuillère à of café de pepper. poivre. Alors, Well, bien sûr, si less vous avez depending des on your enfants taste. If you qui have viennent déjeuner kids, chez vous, vous mettez moins de less of poivre. course. Sel, Salt, vous mettez à peu près deux about petites cuillères two comme ça. spoonfuls. La cannelle, A une cuillère à spoonful of café. cinnamon. Alors, la And now, the coriandre coriander. existe soit sous forme It de poudre, exists in soit fresh and verte dried form. fraîche, soit sous forme de graines. Bien sûr, Now, la fraîche est fresh is meilleure, mais always tout le monde n'en a better. pas à sa But if you disposition. don't Mais vous pouvez have that toujours avoir un petit available, peu de dried is coriandre fine. moulu Dried dans works un well. bocal. Une cuillère à So, a café. spoonful of coriander. Et quatre And épices, the une demi-cuillère allspice, à a half café. spoonful. Je vais And ajouter I'm à going to cela du add gingembre, also ginger, qu'il faut que vous coupiez très which très you cut fin. very thin.
Alors essayez, And now, essayez d'avoir du try gingembre to frais. Use fresh ginger. Parce It's really much meilleur. Better. Si vous Now, if you have mixeur, a food processor or a blender, mixeur, you can use that as long as you have fresh poudre. Ginger. Voilà so ma here is sauce. my sauce. Vous And next, we're going to cut the chicken into pieces for the kebab. Par exemple, ça vous pouvez l'enlever. So you can take off that. Pour piquer sur en cube. So in a cube. Vous voyez, you see something about like that size. Parce que si if c'est it's trop too petit, small, it will piquer, fall off si the kebab, gros, and if it's too big, it takes too long to cook. Voilà, là, So, la même chose, vous dédoublez. little piece. Ah, un Oh, petit a morceau little très ugly joli. piece. Vous Now, suivez plus ou follow moins the grains la of the nature de chicken. l'escalope pour ne pas avoir de cubes trop Now, déformés. Pieces, not big or small pieces, just right. Thank you.
And now don't cut the chicken too thin, or else it will be too hard to get onto the kebab. Voilà. There we go. Maintenant, now, we'll mix très bien, very well très everything together. Et vous serez étonné and de you'll be impressed to see the chicken that will soak up the juice. Par la viande. And marinate for at least 2 hours. Si c'est en été, if it's in the vous summer, put a cover on it. Bol, avec un papier with a plastic covering on the top, or else the refrigerator will smell like ginger and garlic. Couverture, tout votre frigidaire sentira l'ail et le gingembre. And from now on then, flip the chicken. So, I'm going to let this marinate for 2 hours. And then, I'll show you how to skewer the kebabs. So, I'll see you in a bit. So, 2 hours have gone by for the marinade. Now, if you marinate it overnight, you don't need to wake up every now and then to flip the chicken, of course. Je vous propose, il y a now, sortes there de are different skewers available from the simple to the sophisticated. Ça ne présente aucun avantage. There's not one better than the other, but jolies, metal is easier to clean. Vous prenez vos morceaux so you take about three, vous ne les serrez pas trop, three to six pieces of chicken. Ça ne cuit pas, ou de façon très inégale. And you'll skewer them. Vous ne mettez pas trop sur chaque brochette. Onto each skewer. Moi, je vous conseille de mettre now, entre 4 et 6 I recommend between 3 or 4 to 6 pieces of chicken for each skewer. Vos brochettes et avoir une cuisson en deux now, temps this is so that it cooks evenly et une brochette en même and temps. It's easier to flip. There we go. Et alors, si vous and faites de ces brochettes sur if un barbecue, you barbecue your skewers dehors, outside, vous, ça it's veut dire probably c'est summer, vous boire du vin blanc, so du a white or a rosé wine. Vous pouvez cuire ces brochettes you can also dans votre cook poêle, the skewers in a pan four, or grill them in the oven sur un grill électrique, or on an electric grill. Et à ce moment-là, and if you're cooking them inside, it's probably winter, so a well-bodied warm red is better. Voilà. So there we go. And you've seen that we've cut the chicken dos, into about the same sizes, so that all the skewers have the same amount of chicken. So there we go, voilà. We're notre all finished with the terminé. Recipe, and bon I wish you a very bon appétit.